Et salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce tout nouveau clip shot, le premier clip shot avec les nouvelles introductions. Introduction ainsi que mise à jour graphique dont on a pu vous parler avec Eridil il y a peu dans une toute nouvelle vidéo Halo News. Le lien sera en fin de vidéo si vous ne l'avez pas vu, que vous avez envie de la voir pour avoir quelques petites explications supplémentaires sur tout ça. Alors je suis très excité, je suis très impatient, je suis très content de pouvoir faire une vidéo avec tout ça qui est nouveau, ça sent le neuf, ça sent le propre, c'est vraiment génial et j'ai décidé pour cette première vidéo pour ma part de faire un clip shot qui représente la base de la chaîne au tout départ, voilà, même s'il y a eu des évolutions. Au début c'était juste un monoclip, maintenant c'est un multiclip, clip shot, voilà, vous avez compris. C'est un petit peu la base de la chaîne. Aujourd'hui, il y en a malheureusement plus beaucoup parce que les personnes préfèrent se diriger vers tout ce qui va toucher à l'univers de Halo et un petit peu moins à tout ce qui est gameplay. Mais notamment avec la mise à jour de la Master Chief Collection, peut-être que vous allez vous relancer sur Halo et pourquoi pas envoyer vos exploits. Alors en attendant, on va partir. Un petit poudre de perlimpinpin pour montrer le petit écran d'accueil, titre, tout ça, là, où on voit les noms des personnes que l'on va voir jouer. Et on va voir ce qu'ils valent tout de suite. C'est avec Zarvest qu'on commence. Zarvest qui joue en Warzone et Zarvest qui est armé d'un petit BR de Halo 2, que j'aime tout particulièrement, ainsi qu'un fusil à pompe. Et si vous avez lu le titre de ces clipshots, vous savez que nous allons parler du plaisir du jeu. Parce que c'est fun de jouer. Normalement, hein, on n'est pas là pour s'énerver, on est là pour s'amuser, pour se détendre, pour prendre du plaisir. Et les joueurs qui vont jouer aujourd'hui vont nous le montrer par A plus B que le fun, c'est le plus important dans le jeu. Comme vous voyez, il se fait plaisir et c'est ça qu'on aime voir, nous aussi. C'est toujours armé du même BR de Halo 2 que Colosse Blanc nous montre son clip aujourd'hui. Un clip qui se trouve cette fois-ci en SWAT, vous l'avez bien reconnu, SWAT, on tire dans la tête et ça fait mouche. J'avais envie de dire ça comme ça, ça me fait plaisir de dire ça comme ça, alors respectez-moi. Et vous voyez que lui aussi, il prend bien du plaisir à aligner les têtes, à aligner les médailles et à nous faire plaisir indirectement, j'ai envie de dire, grâce à son clip qu'il nous a envoyé. Merci à toi Colosse Blanc pour ton clip. Et si vous avez bien suivi l'écran titre du début de vidéo, vous savez donc qu'il ne manque que The Slayer, qui, non pas armé d'un BR cette fois-ci, va utiliser son magnum et des grenades pour nous faire un grand plaisir, un grand spectacle sur ce mode de jeu beaucoup plus basique sur Halo et comme dans tous les autres FPS. Mais The Player, c'est deux clips qu'il nous a envoyés aujourd'hui, voici le second. Et donc pour terminer ce clip shot, nous retrouvons notre même protagoniste The Slayer, toujours armé d'un magnum, mais petite modification cette fois-ci parce qu'on a déjà vu qu'il savait bien l'utiliser, mais sait-il utiliser d'autres armes? Comme nous pouvons voir ici, le coup de crosse, c'est acquis. Et le sniper, c'est acquis aussi. On est d'accord. Merci à lui de nous avoir envoyé ces clips. Il nous en a envoyé d'autres qui arriveront très prochainement dans les prochains clip shots. Voilà, quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire les mots de la fin. Vive Halo. Je ne vais pas m'éterniser sur le final de la vidéo parce que je l'ai déjà fait dans l'intro et vous aimez pas trop quand on parle pour rien entre guillemets. Alors moi je vous dis à très bientôt, salut à tous, vive Halo, salut à tous, répétez plusieurs fois,